Alors ne cherchez de rien de rationnel dans l'approche des voitures que je vous montre. Je vous montre celles que j'aime, que je trouve géniales, qui ont marqué l'automobile. Ça n'engage que moi. Et là, vous avez une Oldsmobile Tornado de 66, qui fait partie pour moi des plus belles créations automobiles de l'histoire. Mais c'était la première fois qu'il y avait une traction avant aussi puissante. Vous voyez cette grille devant, ces phares escamotables. C'est marrant parce que c'est une voiture très américaine, mais qui en même temps, malgré sa taille, s'inspire d'une certaine élégance européenne. Vous voyez, là, elle est, on n'en voit jamais en France. Hein. Regardez la poupe. L'arrière très très pur, comme ça, juste ces feux rouges. Ça, c'est un chef-d'œuvre. La finesse des feux, pareil, l'état des voitures est tellement remarquable. Ça, pour moi, c'est une voiture qui n'a pas vieilli. Toujours une élégance absolument incroyable. Regardez comment c'était cornaqué à l'intérieur, le volant. C'est dommage, c'est très sombre. Je ne peux pas vous filmer le tableau de bord, on le voit mal. Mais il y a une plage gigantesque. Planche de bord très évasée. Et en même temps, c'est très très fin. Vous voyez le petit rétroviseur là. Il paraît tout fragile presque. Regardez le détail des essuie-glaces, de l'antenne de radio. Quelle classe cette voiture, quelle classe, vraiment.